Salut la team, j'espère que tout le monde va bien ce mardi, jour des épaules. On va avoir comme d'hab un petit warm-up de tour à faire, ensuite un bloc de renfo en fonction de votre fatigue à la fin du bloc. Vous pouvez le faire une deuxième fois. Ça peut être une série unique comme ça peut être deux. Une série c'est déjà bien, vous allez voir la série est bien costaud. Et un petit Metcon, du dégressif de pompe avec des double unders, histoire de bien congestionner tout ce qui restera congestionné. Donc on va attaquer le warm-up. Je rappelle, vous avez deux tours à faire. Exercice numéro 1, ça va être du inchworm. Jambes tendues, on décolle au sol. Je viens chercher ma position de pompe. Et ensuite, j'avance les mains là où je peux en fonction de mon gainage. Et ensuite, je ramène le pied le plus proche possible de mes mains. On se relève et on recommence 5 fois. Quand vous avez fait les 5 reps, vous maintenez cette position-là, jambes tendues, main à plat. Et vous avancez 5 mètres. Ok, donc 5 inchworm plus 5 mètres de marche en worm. Ensuite, on va se mettre au sol, les avant-bras au sol, je regarde en l'air, je tends les bras, bassin plaqué au sol, on étire devant, on reste 5 secondes et on revient sur 5 répétitions. Troisième position de pompe, je garde un bras tendu, ensuite on va chercher à dessiner un grand cercle avec la main. On change et on va faire ça 5 fois de chaque côté. Dernier exercice, on est position marche de l'ours. On va chercher à décoller un appui, on reste 5 secondes. Décoller l'autre, on reste 5 secondes. Et on alterne 5 fois sur chaque appui. Ok, deux tours à faire. Pour le renfo, je vais me munir de ce que je peux pour faire un press, soit une barre légère, très légère. Un sac à dos rempli, si vous avez dumbbell, une dumbbell que vous tenez avec les deux mains, un plate, etc. Il faut vraiment que la charge soit légère. Vous allez voir, la série est très, 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 très costaud. Donc, il vous faut une barre et il vous faut, comme moi, deux petits lests. Bon, voilà. Donc, deux petits lests. Moi, j'ai pris bouteille d'eau. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, du moment que ce n'est pas trop lourd. Ok, donc, une charge pour les presses et une deuxième. Deuxième paire, pardon, du coup, pour la suite. La série se compose de la sorte. Numéro 1, je vais être sûr du press. 15 secondes pour monter. Avance rapide, 15 secondes. Hein, et 15 secondes pour descendre aussi. Une seule rep. Quand vous avez fait 7 reps là avec ce tempo, vous enchaînez avec 10 répétitions dynamiques en tension continue. Après la dixième, j'enchaîne direct sur toujours une rep. 15 secondes pour monter. 15 secondes pour descendre. Ok, quand j'ai fait ça, je prends mes deux petits lests et on va venir chercher les élévations frontales, les bras toujours légèrement fléchis et je monte en diagonale jusqu'à hauteur d'épaule sur 12 reps en tension continue, donc sans s'arrêter et sans perdre la tension. Donc je monte pas trop haut, je descends pas trop bas. À la 12e, on maintient une minute. D'où l'intérêt d'avoir une charge légère. Ok, je récapitule la série. La première rep sur le press, 15 secondes pour monter, 15 secondes pour descendre. Donc la rep fait 30 secondes. Ensuite, 10 reps en tension continue, avec la même charge. Je recommence une rep, 15 secondes pour monter, 15 secondes pour descendre. On lâche ça, on prend ces deux petites dumbbells, ou peu importe, du moment que c'est pas lourd. 12 élévations pardon, frontales. Donc, je monte en diagonale, un bras fléchi. Et à la 12e, on bloque une minute. Là, vous avez terminé une série. Normalement, vous avez déjà les épaules en PLS. Si jamais vous avez encore du jus, vous pouvez faire un deuxième bloc, pas plus de deux blocs. Entre les deux blocs, vous récupérez au moins 3 minutes. Ça peut être un peu plus, mais pas moins. Récupérez au moins 3 minutes. Ensuite, pour le Metcon, très facile, c'est un dégressif de pompe. On part de 20, on va jusqu'à 2, on n'en vendrait pas à chaque fois. Ok, 20, 18, etc., etc., jusqu'à 2. Entre chaque tour de pompe, vous avez soit 45 DU, soit 75 simples, ou alors jumping jack. Si vous faites des jumping jack, faites-en 50 entre chaque tour. Ok, donc 20 pompes, corde à sauter ou jumping jack, 18 pompes, corde à sauter, jumping jack, etc., etc., jusqu'à avoir terminé les deux dernières pompes. Et c'est un fort time. Voilà, amusez-vous bien, normalement vous sortez de là, boum, vous êtes balèze.